Hello guys, Dave Postard, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas une bonne nouvelle, hein. Il n'y a pas une bonne nouvelle concernant Mr. Ibu. Mr. Ibu a eu son pied amputé aujourd'hui à Lagos. C'est triste, très triste. Voilà, voilà certaines vidéos de ce monsieur qui sont sur la toile. Je voulais juste venir ici pour vous dire, puisque j'ai posté quand il était à l'hôpital, et puis bon, c'était le projet de sa famille, sa femme. Voilà, des fois, je veux dire aussi à Londres ici, ou voilà, en Europe pour le traiter par rapport à sa maladie, ce qui n'a pas été fait. Je le vois danser ici avec sa fille. C'est triste quand même. Hein. Voilà. Tu vois que ton papa, quelqu'un qui danse comme ça, son pied n'est plus là. 62 ans seulement. Ah, la vie. Père et fils, elle sera triste de voir que son père ne peut plus marcher. Ça va attrister, c'est une mauvaise nouvelle. Ça s'est passé aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est aujourd'hui que son père a été amputé. Tout ce qu'ils ont eu à faire, you know, même l'argent, même ils continuent encore de demander. Son souhait, c'était qu'on l'emmène en Europe pour le traiter. Ça n'a pas marché. C'est dommage que les acteurs, voilà, qui ont bercé les gens. Moi, je le connaissais, mais je sais pas quelqu'un que je regardais, puisque voilà, on grandissait là, on parlait anglais, on parlait pas anglais. Ceux qui le connaissent là, voilà, ceux qui l'aiment aussi. C'est triste quand même de voir un monsieur qui a eu ses membres au complet aujourd'hui, qui est malheureusement dans un état vraiment critique, you know, triste. Beaucoup de films, si tu vois sur TikTok, là, tu vois, il y a beaucoup de films là-bas. Il est toujours en train de manger aussi. Toujours en train de manger dans ces films. Manger. Hein. Franchement, il faut faire attention aussi. Je pense que c'est bon aussi d'aller au sport. Il faut faire le sport aussi. Parce que vous voyez ici, là, une photo, là, il a une Dumba ventre. Hein. C'est pas healthy ce genre de choses. Il faut faire très attention. Ok? Voilà, il est toujours là-bas. J'ai vu sur la page d'un frère blogueur où il y a toujours une collecte qui est en train de se faire pour l'aider. C'est dommage que des artistes, you know, des acteurs, des personnes vraiment connues, des stars, finissent de cette manière. Anyway, on se voit dans une autre vidéo, c'était des postards. Bye bye.